ni gauche, Front National, ni droite. Alors que Marine Le Pen a refusé de donner une consigne de vote pour le second tour, que pensent ses partisans des deux finalistes de la présidentielle ? Sarkozy et Hollande, ils font exactement la même chose. Depuis 40 ans, ils ont détruit la France. Donc, ils ne méritent pas nos voix. Et en plus, ils voudraient nos voix, mais ils ne voudraient pas qu'on ait d'élus. Donc, ils peuvent se brosser, ils n'auront pas nos voix, ça je vous assure. Nous avons besoin de redresser plein de choses et de redevenir français, tout en gardant les gens qui ne sont pas de nationalité française, mais qui sont... Parce qu'il y a quand même des gens très bien aussi. Parce que dans la ville que je vis, qui a près de 25 000 habitants, je n'ai pas de sécurité sociale, je n'ai pas de clinique, je n'ai pas de gendarmerie, je n'ai pas d'hôpital, mais notre maire socialiste est heureux parce qu'il est en train de dresser une mosquée. Ce n'est pas la France que je veux. Alors, messieurs, je suis obligé de voter pour Marine Le Pen qui, elle, représente quelque chose de nouveau et qui est respectable aujourd'hui. Immigration, islam font partie des thèmes de campagne de Marine Le Pen qui entend arbitrer aussi les législatives de juin prochain.